perdu son petit frère. Akufeli ndeko na ya mobali. Ambujimai. Kuna na Ambujimai. Du moment où nous parlons, na tango itokoloba. Il est dans l'avion vers Ambujimai. Ajali kati na pepo akokendera Ambujimai. Pour assister aux obsèques de son petit frère. Ona akokende ko assister na matanga ya lekine ya mobali. Ainsi mes bien-aimés frères et sœurs. Na bongo balinga mi basimpe babali. Nous allons prier pour notre sœur qui est en voyage. Toko bonde la pona ndeko na biso azaka kati na mobembo. Que le Seigneur l'assiste. Et enkola sungaye. Que le Seigneur la délivre de toutes les difficultés. Golasi kolaye na ba na mitungi sinyoso. Et qu'enfin que le tout se passe très bien. Et na suka masomali kana malamu. Nous allons nous lever. Toko telema. Et nous allons lire une portion de l'Écriture. Et toko tanga eteni moko na likomi. Nous sommes à 1 Thessaloniciens 5, du verset 6, et jusqu'au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne dormons donc point, Tola la soki mokete. Comme les autres. Lokola basusu. Ne dormons pas. Tola la soki mokete. Étant le temple de Dieu. Kozalaka tempelo na Nzambe. Ne dormons pas. Tola la soki mokete. Mais veillons et soyons sobres. Kasi tosenzela mpe tozalaka tikati. Car ceux qui dorment la nuit. Jambi bai bakolala bakolala kande na butu. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêti la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ne dormons pas. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous mourions, nous dormions. Nous vivions ensemble avec lui. C'est ça. Nous allons ainsi prier. Et tokobonde la bongo. Que le Seigneur nous assiste. Et enkolo asonga biso. Nous sommes en voyage. Tojali kati na mobembo. Le voyage est long. Mobembo ejali molayi. Que le Seigneur nous vienne au secours. Kolo aya na lisungi na biso. Que le Seigneur nous assiste tout au long de la prédication. Kolo asonga biso na bolayi nyonso aliteya. Que nous puissions comprendre les écritures. Toko kabongo kososola makomi. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Kolo apambola mosali na ye. Et qu'il soit avec notre sœur qui est en voyage. Pe ajali longo na mos na ndeko na biso mwasi azali kati na mobembo. Prions ensemble mes amis. Tobondele longo baninga.
conduis-nous. Le chemin est encore long. Nous te demandons, nous te supplions de pouvoir nous secourir. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi notre rempart. C'est toi notre refuge. Seigneur, ne permet à personne de dormir. Aide-nous à veiller pour ta gloire et pour l'honneur de ton nom. Sois avec ton serviteur. Sois avec chacun de nous. Sois avec ma soeur qui est en voyage. Son jeune frère est mort à Mbujimayi. Il est parti en catastrophe. Puisse être avec elle. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi. Amen. Amen. Oui, frère Joseph. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Toko zongela tope tokotanga Bible mokapunango mwa misat. Nous allons reprendre ou nous allons lire Hébreux chapitre 3. Mulongo mwayambo kino mulongo mwa motoba. Du verset 1 jusqu'au verset 10. 6. Au verset 6. C'est pourquoi, frère saint, Ezaponanini Bandeko Basante. C'est pourquoi, frère saint, Baye Basanganaki Nambilango Yalula, qui avait part à la vocation céleste, Botalantomango Mpengangango. Mokonzi ya kondimango oyo tuzali kosalela. Considérez l'apôtre et les souverains sacrificataires de la foi que nous professions. Yesu oyo azraki sembo epai na ye oyo atiaki ye. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Lokola izalaki mosekatina ndako mobimba nayi. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Jambi yabongaki na lokumu koleka munene na yango ya Mose. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Eteye oyo akotonga ndako moko azulokumu koleka ndako ango moko. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Ndako yoso ezali kotongama na mutu moko.
Chaque maison est construite par quelqu'un. Kasiye oyo atongaki biloko biso eza Nzambe. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pona Mose. Pour Moïse. Ajalaki sembo katinanda ko mobimba ngo ya Nzambe. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Lokola mosali. Comme serviteur. Mpona kopesa litatoli ya oyo esengelaki bongo kosangelama. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Kasi Kristo ye ajali sembo lokola mosalite kasi lokola mwana likolo ya ndako ya ye. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Omoni, voyez-vous? Et lui, on va dire que Christ est comme fils, mais l'est. Cela ne veut pas dire que Christ est comme, mais Christ l'est. Donc, il est fidèle. Mais Christ l'est et fidèle. Christ aza fidèle. Christ est fidèle. Lokola musalite mais lokola mwana. Pas comme serviteur mais comme fils. Dikolo yandaku yaye. Sur sa maison. Pe ndaku na ye. Et sa maison. Eza biso. C'est nous. Bobelete tozali kosimba na ngwingwi kino na sukango elikia yango. Toko tia mango ya mutema pe elike yango oyo tozali komi komisa. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Tika lisusu likolo ya litangi ya lilobalina, Zambi na nguya nyoso wa sopa, mapambuli katina kumbu ya nkolo Yesu Kristo. Laisse encore sur la lecture de la parole que le Dieu Tout-Puissant déverse les bénédictions sur cette parole. Na lilobali ya bokoti si. La parole d'introduction. Ala. À la parole d'introduction. Tutangi boi. Nous lisons ceci. Tola la bongo soko mokete lokola basusu. Ne dormons donc point comme les autres. Kasi tosenzela pe tozala na katikati. Mais veillons et soyons sobres. Jambi baye bakulala na butu. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. E baibako milanguisa bako milanguisa nde na butu. Et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Kasi biso baoyo toza ya mukolo. Mais nous qui sommes du jour tozali ya katikati. Soyons sobres. Tozala na katikati. Soyons sobres. Komiratisa kalisusu na ngubango ya kondimango pe ya bolingwango. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Pe kozwaka mpona ekoti ya libende elikia yango ya lobiko. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Aweza berete, mais casque. Ici, ce n'est pas le béret, mais le casque. Béret ko supporte balete. Le béret ne va pas supporter même la balle. Mo pepe a pamba e pumbuisango. Même un simple vent va s'évaporer. Eza nde casque. Mais c'est le casque. Tukola tuoka kaba casque bleu. Comme nous entendons parler de casque bleu. Jambinzambe abongisa kibisote na kandango. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère.
Kasi na kozwa yalobi kwango na nzira nkolo na biso Yesu Kristo. Mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Oyo akufa kipo na biso, qui est mort pour nous, nanti na ete yezala tozali bongo kosenzela yezala ete tozali ya kulala tozali kubika irongo tozali kubika lisanga na ye. Afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Amen. Balinga mikati na kolo. Bien-aimé dans le Seigneur, Zambi na biso za Zambi mala. Notre Dieu est un bon Dieu. Kosenjela awa, veillez ici. E koki kozala na sans kaka ya ba veiller de prière to kosala kate. Ça ne peut pas être seulement dans le sens de veiller de prière que nous faisons. Et ce n'est même pas ça. Mais c'est veiller de ne pas être distrait. Donc, distraction. Qu'il n'y ait pas de la distraction. Parce que moindre distraction. Parce que moindre distraction. Tu, la balle va t'atteindre. Ennemi à cocotte. Et l'ennemi va entrer. Fausse doctrine et cocotte. La fausse doctrine peut entrer. Interprétation et cocotte. L'interprétation peut entrer. Les démons peuvent entrer. Ce que vous a distrait. Si tu es distrait. C'est pourquoi il faut veiller. C'est pourquoi il faut veiller. Il faut que tu aies un état d'éveil. Il faut rester dans l'état d'éveil. Et ça, dans le sens, c'était la fatigue du corps. Ce n'est pas dans le sens de la fatigue du corps. Un peu au lari. Et tu t'endors. Et ça, pensa yangoti. Ce n'est pas vraiment ça. Parce que suka tolinga ekoti kala sokeza kayango mutala isupongiti. Seulement si, à la fin des comptes, si c'était cela, personne n'allait plus dormir. Mais finalement, nga na utiawa dalala ki quand même. Finalement, moi, avant de venir ici, j'ai dormi d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a aussi ceux-là qui dormaient, ils peuvent lever la main. C'est ça. Dormir ne peut pas manquer. Mais il y a kolala dans l'église. Mais je ne vais pas ici parler de dormir dans l'église. Kolala pendant la prédication. Je ne vais pas parler ici de dormir pendant la prédication. Wana là, on vient de nous exhorter. Mais ça, correct. Et c'est correct. Ce n'est pas que tu es au Kamateya. Nzambe akolobela biso biso tulali. Ce n'est pas que nous sommes venus écouter les prédications. Dieu nous parle et nous dormons. Fatigue ya journée na oyo tutambulaki tusalaki na moye beti biso. Ekuko koma ke okomia wape comme le cola lié de repos. La fatigue de la journée par rapport à tout ce que nous avons fait, il peut arriver que tu arrives ici, ça devient comme ton lieu de repos. Et puis, obani ko nimba, olali ata kola. Et tu commences à somnoler et tu finis par dormir même. Njoka ya penza malamuti. Or, ce n'est pas vraiment bien. Et ça m'arrive même moi. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé. Mais tout ça, l'effort, ya kola la te. Mais faisons un effort de ne pas dormir. Toti kala. Na kotandalito inaliroba. Restons attentifs à la parole. Il faut oreille prêter à la parole. Il faut que l'oreille soit prêtée à la parole. Maintenant, awa kosenjela. Maintenant ici, veillez. Ba faux Christ ba sa kolama ba koya. Les faux Christ qui ont été annoncés viendront. Ont été annoncés qu'ils viendront. Ont été annoncés qu'ils viendront.
Et puis les lots basa ebélé. Et aujourd'hui ils sont nombreux. Des faux ouins. Des faux ouins. Des faux docteurs. Des faux docteurs. Des faux apôtres. Des faux apôtres. Pe bongo na bongo. Et ainsi de suite. Même des bergers de néant. Même des bergers de néant. La Bible aussi en parle. Des faux ouvriers. Des faux ouvriers. Des ouvriers clandestins. Des ouvriers clandestins. Tout cela c'est dans la Bible. Les ministres de Satan. Les ministres de Satan. Déguisés en ministres de Christ. Déguisés en ministres de Christ. Et cela est annoncé dans la Bible. Ennemi azali ko rôde autour de nous. L'ennemi rôde autour de nous. Comme rugissant un lion. Comme rugissant un lion. Et tout cela, on l'a déjà annoncé pour nous. C'est pourquoi nous devons veiller. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Seigneur, à la kabiso été à kozonga kukamata biso. Le Seigneur nous a promis qu'il reviendra nous prendre. Mais mokolo mokozonga ye. Mais les jours qu'il reviendra, yemei aya zagoye bayangote. Lui-même ne les connaissait pas. Mwange mokote pe mutu moko soko mokete. Aucun ange, aucune personne non plus. Bobele tata yemei. Seul le Père lui-même. Mais son exhortation était laquelle? Bosengela. Veillez. Voilà. Vous êtes distrait. Ne soyez pas distrait. Mais parce, à la fin des comptes, je reviendrai. Donc, fin de fin. Nakozonga kaka. Fin de fin, je reviendrai. Alors, et donc, on a ce qui n'a pas Bosengela. Mais ce que je vous demande, veillez. Botala. Des signes de temps. Et regardez le signe de temps. Des prophéties bibliques. Des prophéties bibliques. Du temps de la fin. Du temps de la fin. Des choses qui doivent s'accomplir avant mon retour. C'est pourquoi C'est pourquoi restez dans l'état d'éveil. Ne dormez pas du sommeil spirituel. Ne soyez pas distrait. Parce qu'il y a le bon semeur. Parce qu'il y a les bons semeurs. Les bons semeurs est là. Oya kolona blé. Qui sème du bleu. Pe ezape na son ennemi. Et il y a aussi son ennemi. Yepe a kolona bobele na même champ. Lui aussi sème dans le même champ. Champ il y a le bon semeur. Dans le champ du bon semeur. Qui sème la bonne semence. Il sème la bonne mais semence. Mais son ennemi après lui. Mais Mungura na yesi manaye. Azo ya kaka na même champ wana. Il vient dans le même champ. Et kaka pembeni na bonne semence où est semé. Seulement tout près de la bonne semence qui est semée. Yepe ako semé livré. Lui aussi il semé livré. Qui est aussi sa semence. Qui est aussi sa semence. Alors, ce qu'on a, ayaka ko semer quand? Et maintenant, il vient semer quand? Tango bato balali. Pendant que les gens dorment. Et c'est tango bato balali. C'est pendant que les gens dorment. Et pongo drala kana butute. Ce n'est pas le sommeil que nous dormons la nuit. Ce n'est pas ce que nous sommeillons ici en assemblée. Mais état spirituel. Mais c'est l'état spirituel. Au commun, un sommeil spirituel. Tu atteins le sommeil spirituel. Distrait. Tu es distrait. Donc, Magamwanzambe, au commun, le colozo qui pète. Et les choses de Dieu, tu es devenu comme si tu n'en fais pas cas. Tout marche bien. Tu vois que tout marche bien. Et c'est dans ce moment-là. Et j'allais dire à Tango Angwa, non? L'ennemi de Dieu. Quel ennemi de Dieu? Akoya ko semer. Il vient semer. Dans le même champ. Dans le même champ. Et le champ, c'est l'église. Et le champ, c'est l'église. Ou bien c'est le monde. Ou encore c'est le monde. Amen. Amen. Est-ce que ça pour les? Est-ce que c'est clair? Et maintenant, autant qu'il y a quelques écritures. Mais je vais vous lire quelques écritures. Qu'est-ce que je dis? De ce que je viens de dire. Par exemple, ici dans Matthieu 24. Allô, Biboui.
Il dit ceci. Matthieu chapitre 24, verset 36. De la kotanga tout commissaire de Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Mokote aibi yango. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et j'ala banje yabalola, et j'ala mwana yango, meka katata yemoko. Maintenant, wana mukolo nangonga yabozongi na yi. Maintenant, là, c'est le jour et l'heure de son retour. Otumoko ayebiti. Personne n'est laissé. Maintenant, pesibiso bilembo. Maintenant, il nous donne des signes. Ce qui arriva du temps de Noé. Oh, et comment qui n'entend on a Noé? Arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Et qu'on commande que moi. À l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'on commande que moi, qu'on a besoin que moi, j'ai encore moto. Car. Jambi. Dans les jours qui précédèrent le déluge. Les hommes mangeaient et buvaient. Se mariaient et mariaient leurs enfants. De tout cela, il n'y a rien à s'opposer. Objection pour nakolia na komela toi nangote. Objection pour les manger et les boire, nous n'en avons pas. Et ça n'a pas de cobala, tope cobalisa, toi nangote. Et ça soit pour se marier et marier, nous n'en avons pas. C'est une loi naturelle. Ce sont des lois naturelles. Oyo nzambe a salango na bana na ye. Que Dieu a fait pour ses enfants. Tona Mutu awa na mabele. Pour l'homme ici sur la terre. Ye mokonde abandisa kilibala. C'est lui-même qui a commencé le mariage. Ye mokonde alobaki babuti bakui kobalisa bana. C'est lui-même qui a dit que les parents peuvent marier leurs enfants. Ye mokokaka. Lui seul. Yoswana eza ye moko. Tout ça c'est lui seul. Likambo eza wana te. Là il n'y a pas de problème. Mutu asalaka musala. L'homme fait le travail. Voyez, il travaille. L'homme, il travaille. Et au retour du travail. Et au retour du travail. Il peut manger, il peut boire. Ce sont des lois naturelles. Ce sont des lois naturelles. Mais ce qui est mal. Mais ce qui est mal. Quand tu as mangé et boire. Dans le manger et le boire. C'est-à-dire que tu vas se donner quand tu as mangé. C'est-à-dire que les gens ne se donnent qu'au manger et au boire. Mais Babosani, le Créateur. Mais ils ont oublié le Créateur. En ce moment-là, c'est devenu pour eux un péché. Les gens sont devenus de buveurs. Des ivrognes. Mangeurs. Les gens sont devenus des mangeurs. Des gloutons. Des gloutons. Et ces deux péchés-là, c'est quoi ça? Ils allaient manger et boire. C'est manger et boire. Ce n'est pas vraiment un mais péché. Les excès de manger. Mais les excès de manger. Et de boire. Et de boire. Yangonde est un péché. Et c'est ce qui est péché. Amen. Amen. Kobala et Alisumute. Marier, ce n'est pas un péché. Kobali Sabana et Alisumute. Marier les enfants, ce n'est pas un péché. Mais au temps de Noé. Les gens ne pensaient plus à Dieu. Même le Fils de Dieu. Même le Fils de Dieu. Les enfants de la lignée des sept. Les enfants de la lignée des sept. Non, non, ils ne voulaient plus écouter Dieu. Ils virent que des fils des filles et des hommes étaient belles. Fornication. Et ils sont allés faire la fornication avec elle. Ce n'est pas seulement le mariage. Ce n'est pas seulement le mariage. Même s'il s'agissait du mariage. Même s'il s'agissait du mariage. C'était deux lignées différentes. C'était deux lignées différentes. Il ne fallait pas qu'ils se marient. Parce qu'en se mariant. Parce qu'en se mariant. Il y aurait un mélange terrible. C'était un mélange terrible. Dieu n'a jamais toléré un tel mélange. Dieu n'a jamais toléré un tel mélange.
qu'un croyant a qu'un décobala un incroyant. Alinga kayango tenzambe na biso. Notre Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Est-ce que ça poule? Est-ce que c'est clair? Na lobi disu est-ce que ça poule? J'ai dit encore, est-ce que c'est clair? C'est ce qui est faux, ce qui est mal, ce qui est péché. C'est ce qui est péché. C'est là. Mais marier ta femme, ce n'est pas un péché. Mais parle conformément à la parole de Dieu. Mais marie-toi conformément à la parole de Dieu. Il ne faut pas quitter la parole. Il ne faut pas quitter la parole. Oh, que en dehors de la parole. Et que tu ailles te marier en dehors de la parole. Marions-nous dans le Seigneur. Marions-nous dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Et ce n'était pas que ça. Les gens, au lieu de se marier, les gens, au lieu conformément de se marier, à la loi de Dieu, non, ils vivaient sans se marier. Vivaient ensemble sans se marier. C'était un amour libre. Voyez, frère. Et Dieu n'était pas content de cela. Bato ba mi pensaki na fornication. Les gens, les hommes se sont donnés à la fornication. Prostitution. Ils se sont donnés à la prostitution. Ils vivaient ensemble sans se marier. Ils vivaient ensemble sans se marier. Comme on le fait aujourd'hui. Ils changeaient de femme. Ils changeaient de femme. Aujourd'hui, à Sangani na Moissoyo. Aujourd'hui, il est avec telle femme. Deux fois aux avant-midi. Peut-être les avant-midi. Et aux après-midi. Et les après-midi. Moissi Moussousou. Une autre femme. L'obinatongo. Demain le matin. Adi Moussousou. Il en prend une autre. Le lendemain. Le lendemain. Et c'est comme ça les gens vivaient. Et c'est comme ça les gens vivaient. Omoni. Voyez-vous? Et nakatia corruption wana. Et dans cette corruption, et même kata des fils de Dieu. Cela a emporté même des fils de Dieu. Des hommes de la lignée de Seth. Des hommes de la lignée de Seth. Batikaba. Filles de Dieu. Ils ont abandonné les filles de Dieu. Celles qui étaient leurs propres sœurs. Au lieu de se marier entre elles. Ils ont traversé de l'autre côté. Pour commettre fornication. Et aller commettre même la fornication. Avec les filles des hommes. Avec les filles des hommes. Des filles des hommes de la lignée de Caïn. Des filles des hommes de la lignée de Caïn. Un grand mélange. Un grand mélange. Et Dieu n'était pas content de cela. Il a dit que c'est la même façon que cela reviendra en ces derniers temps. Ça ne sera pas autrement. Tanga bobele Genèse 6. Lis tout simplement Genèse 6. Compare yango na lelo. Compare cela avec aujourd'hui. Okomona ekokani. Vous verrez que c'est la même chose. Amen. Amen. Et frère Branham disait. Et frère Branham Azraï Koloba. Lelo pe bango sala lulenge moko. Aujourd'hui aussi on fait pareil. Donc on a frère Franck Karamingite. Nous venions de suivre frère Franck pas longtemps. Alors baki lelo bango sala lulenge moko. Il a dit qu'aujourd'hui on fait la même chose. Mais lobi nantango wana. Il a dit qu'en ces temps-là. Bana ya nzambe. Bana babali ya nzambe. Les fils de Dieu. Tango basaki biloko ango. Lorsqu'ils ont fait ces choses. Et kufaki bango nantango ya mpela. Et quand ils sont morts. Enchaînés dans des abîmes. Tous se sont enchaînés dans les abîmes. Pierre en parle. Dans un Pierre. Les âmes qui sont maintenant en prison. Les âmes qui sont maintenant en enfer. Ils abattent aligné ou en aïe sept. Ce sont ces gens-là de la lignée de sept, les fils de Dieu. Jude à l'obéli yango. Jude en parle. Voyez frère. Ezabango. Ce sont eux. Abandonnaient leur position. Ils ont abandonné leur position. Il faut que tu saches ta position.
Dieu t'a adopté. Dieu t'a adopté. Dieu est un enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire des choses comme un enfant d'un homme. Comme un certain païen. Non. Non, non. Amen. Amen. Nous, nous croyons comme cela. Nombreux pensaient que Pierre parlait des anges du ciel. Dans 1 Pierre 3. Dans 1 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 2. Et 2 Pierre chapitre 2. Et encore dans Jude. Et encore dans Jude. Non. Non. Ce sont des anges terrestres. Et j'allais des anges à ma belle. Les fils de Dieu n'ont pas boyalola, pas ceux du ciel, c'est-à-dire bah, ange, c'est-à-dire les anges, mais, bah, ya mabele, mais les fils terrestres, boyobautaki Adam, ceux qui sont venus d'ici d'Adam, bangonde, ce sont eux, les fils de Dieu. Amen. Amen. Talata elobeli ya Nzambe. Regardez même le langage de Dieu. Il dit que mon esprit. Il dit que mon esprit. Ne restera toujours pas dans l'homme. Ne restera toujours pas dans l'homme. Voyez. Voyez. C'est-à-dire ces hommes-là. C'est-à-dire Batoyewana. Avaient l'esprit de Dieu. Bajala kina moli mon Nzambe. Et c'est comme aujourd'hui. Et c'est comme aujourd'hui. Quand nous devenons fils et filles de Dieu, nous recevons l'esprit d'adoption. Nous recevons c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Eh, balinga mikati nankolo. Eh, bien aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est un bon Dieu. Il est un bon Dieu. Il a fallu quoi kotinda musakoli. Il a fallu qu'il envoie le prophète. Mbona nzira na ye amonisa biso makambo mankuku. Pour qu'à travers lui qu'il nous révèle des choses secrètes. Aye masira ko koma manabuku eye. Celles qui ont été déjà écrites dans ces livres. Tozalaka kotanga peto ko monate. Nous lisions cela mais nous ne voyions pas. Mais Nzambe na ngolu na ye. Mais Dieu par sa grâce. Sima na monango ya mpate ko kwa buku. Après que l'agneau ait pris le livre. Beko buka birembo sambo nango. Et brise les sept sceaux. Beko fungola buku yango. Et ouvrir les livres. Akokai komoni sama bomba mi. Il pouvait révéler le mystère. Et pa ya musakoli eleko. Auprès du prophète de l'heure. Musakoli nangala na ye. Et le prophète à son tour. Akokai kote ya biso mabomba mi yango. Pouvait nous prêcher ce mystère. Et ngabene ne moniseli yambakiye. Conformément à la révélation qu'il a reçue. Et qui nous l'élo. Et jusqu'aujourd'hui. Yeri Mouyanzame, le révélateur. L'Esprit de Dieu, le révélateur. Qui nous a tout révélé. Oh, et mon ici, biso nyonso. Parce que Dieu nous les a révélés par son esprit. Car l'esprit sonde tout. Car l'esprit sonde tout. Même là. La divinité. Même la divinité. La profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu. C'est-à-dire la divinité. C'est-à-dire la divinité. La profondeur de Dieu signifie la divinité. La profondeur de Dieu signifie même la divinité. Divinité. L'esprit de la divinité. La bozindo ya divinité. Il entre dans la profondeur de la divinité. Appelle ce grand mystère de tous les mystères. Et nous donne ce grand mystère de tous les mystères. Qui est celui de Dieu lui-même. Il est celui de Dieu lui-même. Nous nous croyons comme cela. Les prophètes sont déjà partis. Le révélateur a jari. Mais le Saint-Esprit, le révélateur, est là. Et a conduit le peuple de Dieu dans toute la vérité. Et conduit le peuple de Dieu dans toute la vérité. Nombreux disent non, ces anges-là. C'était les anges du ciel. Et pourtant, banje alola. Et pourtant, les anges du ciel. Ba solo bananzambe. C'est vrai qu'ils sont des fils de Dieu. Yako kelama. Mais créés. Kasinde. Mais. Baza milimu. Ils sont des esprits. Et en tant que milimu. Et en tant que des esprits. Bajangi sexe. Ils n'ont pas de sexe. Omoni. Vous voyez? Yango biso toko ndimate mari de nuit.
C'est pourquoi nous ne croyons pas mari de nuit et femme de nuit. Parce que Marie de nuit, ça veut esprit. Parce qu'on veut nous dire que ce sont des esprits. Mais des esprits n'ont pas de sexe. Mais des esprits n'ont pas de sexe. C'est non biblique. C'est non biblique. Il y a même quelques croyants qui disaient, parmi nous, mes frères, il y a pas de frère, pasteur, il ne connaît pas ces choses-là. Non, mais ça nous coûte. Mais c'est du mensonge. Parce que Njambiasela, bana na yengolu. Parce que Dieu a fait grâce à ses enfants. Dans toutes les choses qui se disent, il faut pas ramener kango na makomi. Il faut ramener cela dans les écritures. Sauf que mon ami qui commet le bien contraire na bango bazolo ba. S'il s'avère que l'écriture dit le contraire de ce que eux disent. Ou bien makambo bazolo ba na ça contraire na oyo nzambe akoma. Ou encore les choses que eux disent sont contraires à ce que Dieu a écrit. Tokobo kayango. Nous allons jeter cela. Si to gondi makango nzambe akoma ngwawa. Nous ne croyons que ce que Dieu a écrit ici. Et ponanini batwana balo bandengo wana. Et pourquoi ces gens disent comme ça? Ponanini bazondi mape biloko bina. Et pourquoi ils croient ces choses? Ntina yangoyo. Voici la cause. Nkolo ye mokonde alobira kibango. C'est le Seigneur lui-même qui en a parlé. Omoni. Voyez-vous? Alobeli bango boye. Il a dit ceci. Matthieu 22. Matthieu 22 na mibale. Na verset 28. Na verset tukumi bale na mwambe. Oui. Iyo. Finalement soko bale na verset 23 nde okozali solo mobimba. So, si tu commences au verset 23, tu auras toute l'histoire. Alors cette femme, moi si oyo. Le verset. Moi si oyo. Le verset. Voilà. Verset. Yo limbulaka ngai. Attention na pesi verset. Yo zo limbulaka ba verset me ngai nde oza interprète na ngai. Amen. Allô, Biboui. Il dit ceci. Si tu peux commencer au verset 23, tu auras l'histoire tout entière. Voici mon corps. Une femme. Abala magana mubali. Était mariée à un homme. Mubali waye akufaki me babotaki nanu bana te. Son mari était décédé mais n'avait pas encore eu d'enfant. Moi son atikali ndekwa mubali na ye, ce mec na ye akuye. Cette femme est restée et son beau-frère l'a pris. Qui le beau-frère aussi est décédé. Ils n'ont pas toujours eu d'enfant. Bongo na bongo. Et ainsi de suite. Parce que c'est la doctrine yaba sadducéen. Parce que c'était la doctrine des sadducéens. Les sadducéens. Basaki kondi maté na doctrine na bango lycée quoi. Ils ne croyaient pas à leur doctrine de la résurrection. Voyez. Pour na bango résurrection kaka kuna. Pour eux, la résurrection, c'est là-bas. Une résurrection aura lieu. Avant là-bas, la fin. Non. Ils ne croyaient pas aussi que si quelqu'un meurt, ici dans la chair, que son esprit continue à vivre. Non. S'il meurt, il est comme une chèvre. Il est comme une antilope. Comme une poule, comme un canard. Et c'est fini pour lui, il est mort. Attendre seulement la résurrection de tous les gens. C'est comme ça la doctrine des sadducéens. Et leur doctrine était différente de celle des pharisiens. Alors, celle des pharisiens, c'était comme bandimaka ça. Ba esprit. Ils croient aux esprits. Bandimaka ke après la mort, la vie continue. Moto azakuna, azakoko bako vivre. Ils croient qu'après la mort, il y a la vie. Les gens là où il est continuent à vivre. Ah, bango bandimaka yango. Et quoi cela? Et aussi croyaient à la résurrection. Mais pas les sadducéens. Les différences, il y a deux groupes wana na kati ya malakisi na bango. C'est ça la différence de ces deux groupes dans leur doctrine. Mais soko ramener yango lelo. Et si tu ramènes ça aujourd'hui, komona ke ba mangomba ya dingo na majali. Tu verras que de tels genres d'églises aujourd'hui existent. Les pharisiens. Na ba sadducéens. Et les sadducéens. Modernes. D'aujourd'hui. Nene ko ebisa biso ba sadducéens d'aujourd'hui. Qui peut nous dire les sadducéens d'aujourd'hui? Les témoins de Jéhovah. Nenego tali sabiso quand même.
hein, bah pharisien d'aujourd'hui. Qui peut nous montrer quand même le pharisien d'aujourd'hui? Hein? Catholique même Némoulato. Et catholique même l'habillement. Vous voyez? Vous voyez? Même la façon d'adorer. Même la façon de robes. C'est vraiment le pharisien d'aujourd'hui. Bon. Bissot, Tozande, Bayekoli à Jésus. Nous, nous sommes les disciples de Jésus. Tozali ni pharisien ni sadducéen. Nous ne sommes ni pharisiens ni sadducéens. Amen. Amen. Nous croyons à chaque parole de Dieu. Alors, mais comme ils ne croyaient pas à la résurrection, c'est ainsi qu'ils sont venus poser cette question. Ça, c'est leur question. Parce qu'ils pensaient que Jésus appuyait les pharisiens. Dans leur doctrine. Le même jour, les sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, verset 23, vers auprès de Jésus, et lui posèrent cette question. Ainsi de suite. Bongo na bongo. Mais maintenant, au verset 28. Nandera kotanga tukumi bale na mwambe. Maintenant, mwana mwashwana babala kie na mibali nyosu wana motoba. Cette femme-là a été épousée par tous les sept hommes. Tosambo. Ou sept. Parce que, na verset 26. Parce qu'au verset 26. Il en fit de même du deuxième. Et j'allais qu'il olenge mwoko pona woya mibale. Puis du troisième. Pe pona woya misato. Jusqu'au septième. Kino na woya sambo. Après eux tous, si manabango banso, la femme mourut aussi. Moi si yango akufaki, et ces hommes-là aussi moururent. Maintenant, balobi à la résurrection. Maintenant, on dit, nalise quoi? Duquel de ces sept de sept sera-t-elle donc la femme? Nani na basambo oyo moi si akozala yaye. Ah. Quand ils vont tous ressusciter, tous les huit. Moi, c'est Kaka Moko. Une moi, c'est Moko Moko Ana Yabango. La même femme de tous moi, les sept. Abala, Abala Nana Mibali Sam. La femme qui a épousé sept maris. Qui a été épousée par sept maris. Sept hommes. Sikoyo. Maintenant. Naya Kufake. Mibali yango pe bakufi. Elle est morte, les hommes aussi sont morts. Ako ako za mwasi ya et quand ils vont ressusciter, elle sera la femme de qui? Car tous l'ont tué. Zambi bango banso bazwa kiye. Ah. Elle sera pour qui? Jésus leur répondit. Boka réponse à Yesu a dit. Yesu a anoli bango. Vous êtes dans l'erreur. Ojali kati na libunga yango. Mais eux-mêmes ne se sont pas vus qu'ils étaient dans l'erreur. Et pourtant, babane ko prétendre que bango ne baza dans le vrai, dans la vérité. Et pourtant, ils prétendaient qu'ils étaient dans la vérité. Mais Jésus a lobi na bango. Et Jésus leur a dit, vous êtes dans l'erreur. O jali kati na libunga yango. Comme vous êtes là, vous les sadducéens. Vous êtes dans l'erreur. Les témoins de Jéhovah sont aujourd'hui dans une grande erreur. Jésus n'a même pas dit vous êtes dans une erreur. Jésus n'a même pas dit que vous êtes dans une erreur. Mais dans l'erreur. C'est grave ça. C'est grave. C'est un esprit de l'erreur. Esprit d'égarement. D'égarement. Il y a des pingouis. Amen. Amen. Bisotozo dima denge Yesu ayanola kibango. Nous nous croyons comme Jésus leur avait répondu. Que bazande dans l'erreur. Qu'ils sont dans l'erreur. Dans l'égarement. Dans l'égarement. Amen. Amen. Vous êtes dans l'erreur.
Mais apesi bango le pourquoi. Et il leur a dit le pourquoi. Mais parce que Jambi, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Les deux choses là, comme vous n'en avez pas la compréhension, c'est ce qui montre que vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Donc vous prenez Dieu comme votre camarade. Vous voulez les limiter. Parce que l'homme a été créé limité. L'homme a été créé limité. Il pense que Dieu aussi a des limites. Il pense que Dieu aussi a des limites. Dieu est un Dieu illimité. Zambe a zangi suka. Il est un Dieu illimité. Ah, j'ai dit Zambe a zangi suka. Dieu n'a pas de limites. Il est infini. Il est éternel. Éternel, frère. Et yala yala. Vous voyez? Nous nous croyons comme cela. Et vous verrez l'homme. Est-ce que Dieu peut faire comme ça même toi-même? Et toi, tu prends Dieu comme toi. Comme moi, je ne peux pas faire comme lui. Mais il est Dieu. À ça là, Nzambe à ça là. Il a juste fait. Nzambe a kokaka makamboma. Dieu paie tout. Même prophète Job. Avait reconnu cela. Il a reconnu que Dieu peut tout. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas. Mais j'allais na biloko nzamba kokokate. Par exemple. Ndakisa. Échouer. Dieu ne peut pas échouer. Nzamba kokikokata na te. Mentir. Akokimpe kokosa te. Mentir. Kokosa. Dieu ne peut pas mentir. Nzamba kokikokosa te. Il n'est pas un homme pour mentir. Ah, j'allais moto tempo na kokosa. Péché. Kosumu. Dieu ne peut pas pécher. Amen. Amen. Est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est clair? Dieu, quand il promet, il peut aussi l'accomplir. Il a le pouvoir de promettre. Il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Parce qu'il peut tout. Il est le tout-puissant. C'est-à-dire l'omnipotent. Amen. Nous croyons comme cela. Alors, mais voilà. Il dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Manquez de comprendre les Écritures. Tu te trouveras dans l'erreur. Parce que tout ce que tu commenceras à prêcher, si c'est différent des Écritures, tu es dans l'erreur. Si les choses que tu crois est différent des Écritures, tu es dans l'erreur. Si on compare l'église à l'élo, la dénomination, on comprend que chacun est mis dans l'erreur. Maintenant, essayez de comparer les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'erreur. Il y a beaucoup de choses qu'ils prêchent qui ne sont pas dans les Écritures. Beaucoup de croyants croient les choses qui ne sont pas dans les Écritures. Où sont-ils? Bah, ils sont dans l'erreur. Mais bah,
Parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, et non plus ni la puissance de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est la parole. L'écriture, c'est l'écriture de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez, nous croyons comme cela. Et je peux aussi ajouter un autre groupe d'aujourd'hui. Qui se trouve de nouveau dans l'erreur. Ce sont des branhamistes. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni même la puissance de Dieu. Les branhamistes ne comprennent pas les Écritures. C'est que elles savent, ce sont les citations du prophète, mais les écritures ne savent pas. Citation prophète, les citations citation des prophètes, ils récitent cela comme des perroquets. Ils ne savent pas ramener cela dans les écritures. Parce que ils ne savent même pas pourquoi les prophètes en disaient. Parce que ils n'ont même pas la puissance de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Il prêche aux gens aujourd'hui. Vous croyez, c'est fini, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Ils ont confondu l'esprit d'adoption et le baptême du Saint-Esprit. On ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit. Non, le baptême du Saint-Esprit. Quand on croit. Non. Si après avoir cru. Dès le baptême du Saint-Esprit, c'est alors que le baptême du Saint-Esprit peut venir. Le Saint-Esprit en tant que sceau. Tu peux recevoir le Saint-Esprit en tant que sceau. Mais l'esprit que nous recevons, au moment où nous croyons, c'est l'esprit d'adoption. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Et toutes ces choses, ils ne comprennent pas. Ils pensent que le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire parce qu'ils disaient qu'ils ont cru au message. Parce que la parole, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est la parole. Quand vous avez reçu la parole d'office, vous avez le baptême du Saint-Esprit. C'est faux et archi faux. Ils ne savent pas les écritures, les branhamistes. Si tu parles avec eux à travers les écritures, prophète, prophète. Ils vont te dire que moi j'aime les prophètes. J'aime les prophètes. Parce que lui-même ne sait pas les écritures. Jésus est déjà revenu. Tout ça, ce sont des erreurs. C'est pourquoi ils sont dans les rêves. Parce qu'ils ne comprennent ni les écritures, ni la puissance de Dieu. Oui, parce que sur la terre, ils ont commis, ils ont goûté en Zambé. Je disais, un jeune frère, il y a beaucoup d'assemblées dans les groupes. Mais frère, tu as dit le message. Mais tous nous sommes dans les messages. Mais il y en a beaucoup. Mais j'ai dit qu'il y en a beaucoup. Un message, je disais, il y a beaucoup de messages. Et puis, un huissier d'une église. À la place de son berger. Je m'entretenais avec lui à la place de son berger. Il est venu représenter son berger ici au bureau. Mais frère, vous voyez que tous ces personnes sont comme un prophète, Makoka William Branham. Il m'a dit que tu sais que frère, nous avons tous le même prophète William. Nous irons dans le ciel de Branham, de William. Ah, frère. J'ai dit frère. Tika. Laisse. Totik. Descends. Tu es un huissier, laissons. Pas pour dénigrer, non. Ce n'est pas pour dénigrer. Si c'était même ton berger, on allait parler avec lui. Laissons. Ah, frère, en tout cas, au moins, tout ça, on a un message. Frère, tu ne vois pas que nous avons seulement le même message. Mais ils ne savent pas de Corée et d'Atan. Parce qu'il y a un message Ils avaient aussi le même message. Un messager mon corps. Avec le même messager.
Mais ils étaient différents de Josué et Caleb. Corée et Dathan étaient différents de Josué et Caleb. Ils ne savent pas. Et nombreux parmi nous sont comme cela et disent que c'est le message, frère. Il s'agit de quel message? Il s'agit de quel message? Quelqu'un qui croit les choses qui ne sont même pas écrites. Il n'est pas du message divin. Non. Le message qu'avait apporté William Branham, c'est le message biblique. Il est biblique. Vous voyez, nous croyons comme cela. C'est pourquoi nous disons tout mariage avec quelqu'un qui ne croit pas les choses de Dieu exactement comme toi, exactement comme toi, est un mariage mixte. Il faut savoir cela. Même s'il est du message, il s'agit de quel message? Vous voyez, nous croyons comme cela. Alors les Branhamites de la même façon. Jetés dans un même panier. Ils sont jetés dans un même panier. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ils pensent que Dieu a fini avec Frère Branham. Il a tout fait. C'est fini. Il a déjà tout avec Frère Branham. Frère Branham n'était qu'un échantillon. Et ce que Dieu continuera à faire dans son corps. Qui est l'Église? Oh, j'allais l'Église. Dont nous sommes membres. Oh, biso tzali binama. Les œuvres que je fais. Oui, celui qui croit en moi. Il fera aussi. Voyez. C'est ce que nous attendons. Ce n'est pas pour les prophètes. Ce n'est pas pour les prophètes. Mais c'est pour le croyant. Celui qui croit en moi. Fera aussi. Nous croyons comme cela. La puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Nous croyons comme cela. Tala na tango yo ya pluie de la première saison. Regardez du temps de la pluie de la première saison. Ce n'était pas seulement des apôtres. Que parmi eux seulement que Dieu faisait des miracles. Non. Non. Même parmi les diacres. Diacre Étienne faisait des miracles. Il n'était pas un apôtre. Voyez, frère. Nous croyons comme cela. Vous voyez? On avait jeté en prison leur berger. Après avoir tué l'apôtre Jacques. Après avoir tué l'apôtre Jacques. Il a pris Pierre et l'a jeté en prison. Et les petits groupes de méprisés. Ils sont restés prier dans la maison de la mère de Marc. Il priait. Dieu a exaucé leur prière. La colonne de feu était allée à la prison. L'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, était entré et il l'a déchaîné. Il l'a délié. Il l'a fait sortir de la prison. C'était aussi un miracle. Même notre sœur Rode ne comprenait pas. Même notre sœur Rode. Lui avait vu. Elle avait vu. Il est à Monaki.
Mais l'assemblée qui priait, le groupe des méprisés ne comprenait même pas. Je vois Pierre. Celui qui a frappé la porte, c'est Pierre. Celui qui a frappé la porte, c'est Pierre. Balobi, toi. Yo, yo. Viens t'asseoir ici, toi. Qui t'a demandé d'aller là-bas? Mais il y a Pierre. C'est Pierre, c'est Pierre. Pierre, oh, wabi, Pierre, héro, yo, basi, babomie. Où est Pierre? En cette heure ici, on l'a déjà tué. C'est son ange. C'est quand on a dit que c'est son ange. C'est-à-dire son corps théophanique. C'est-à-dire son corps théophanique. On l'a tué. Yo, mon nande corps céleste naïe. Toi, tu as vu là son corps céleste. Corps théophanique, ende bimelio. C'est son corps théophanique qui est à Paris. Alors, lui, dit, non, Esaïe. La femme dit non, c'est mais lui. Mais il y a mes frères Pierre Esaïe. Je connais frère Pierre, c'est lui. Mais non, quand tu es bon, faut que l'on a noté. Vous seulement de tout. Il est juste là devant. Bah, faut que l'on a pété le yéwa. On ouvre la porte comme ça. Là, voilà Pierre. Il n'a pas répondu. Il a répondu de parce que nous avons prié Amen. Zambe na biso azambe malamu. Notre Dieu est un bon Dieu. Biso to ko ndimande bongo. Nous croyons comme cela. Eh bien, vous êtes dans l'erreur. Oui, vous allez cacher dans les bungayango. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Ambate pour vous allez cacher sur la terre et j'allais. Mais Jésus leur a ouvert l'intelligence. Et yeso afongola ki bango mayele. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Dans Luc chapitre 24, verset 45, et il leur ouvrit l'intelligence ou l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Avoir une intelligence ouverte. Un esprit ouvert. Parce que le livre scellé a été ouvert. Les sceaux ont été brisés. Et le mystère caché est révélé. Amen. Il doit aussi nous ouvrir les yeux. À nous appliquer son ou sa colis. Amen. Pour tout quoi qu'on soit révélation. Et tous soient révélation. De connaître les Écritures. Et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Oh, balinga mikati nankolo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mpe alobi na bango boye. Et il leur a dit ceci. Car Jambi à la résurrection. Na lycée quoi yango? Les hommes babali ne prendront point de femme. Ba ko joa soki mokete basi. Bino bozomo na ke ba gele go bala na nakuna na zima na lycée quoi. Non, tu penses que là après la résurrection on va encore se marier? Non, na lycée quoi yango? Les hommes ne prendront point de femme. Babali ba ko joa soki mokete basi. Ni les femmes de Marie. Non. Hey. C'est terminé. Le corps avec sexe est effacé. Ce corps-là, nous pouvons dire qu'il a disparu. Il était semé un corps naturel. Et il ressuscite un corps spirituel. Amen. Et à cause de cela, ils ne prendront point de femme ni de mari. Pourquoi? Parce qu'ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.
Regardez, le Seigneur Jésus a bien précisé. Ils seront comme des anges de Dieu. Non pas sur la terre, mais dans les cieux. Parce qu'il y a des anges de Dieu sur la terre. Prennent des femmes. Croyez-vous cela? C'est ça exactement. Des anges de Dieu terrestres, ici sur la terre, ceux qui sont devenus anges de Dieu, les envoyés de Dieu, ces ambassadeurs, ces messagers terrestres, se marient. Noé fut un messager et il était marié. Il avait trois fils. Mais il était messager. Il était un ange de Dieu. Moi aussi était un ange de Dieu. Voilà. Il était marié, premièrement, avec Séphora, qui était Madianite. Et ensuite, il a pris une seconde femme. La polygamie étant légale à ce temps-là. Une femme africaine. Une éthiopienne. C'est ce que nous croyons, frère. Omoni. Vous voyez? Ézéchiel était marié. Ézéchiel, Balaki. Frère Branham était marié. Deco Branham, Paul Balaki. Marié. Non. Pierre est marié. Pétero, Balaki. Jacques est marié. Jacques, Balaki. Omoni. Voyez-vous? Frère Franck. Deco Franck. Est marié. À Bali. Est marié. À Bala. Voyez, frère. Bon, moni bandeko. Soto, Zondima, Dengewa. Nous croyons comme cela. Moi-même, un petit ange. Je suis marié. C'est pourquoi à cause des anges. À cause des anges. Dans l'assemblée des saints. Les femmes doivent se voiler. Voilà. Ils doivent couvrir la terre. C'est à cause des anges. Des anges qui sont des messagers de Dieu, ici sur la terre, leur apportant la parole. Comme maintenant, c'est un ange qui est devant vous, qui vous apporte l'évangile. Et à cause des anges qui vous apportent la parole, les sœurs doivent se couvrir la terre. Ce n'est pas à cause de Gabriel, mais Michael. Ils ne sont pas ici. Les anges sont là. Je suis l'un d'eux. Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est clair? Je vais vous bien. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Notre Dieu est un bon Dieu. Mais banjo et l'eau là-bas, esprit. Les anges du ciel sont des esprits. Ils ne se marient pas. Ils ne peuvent même pas se prostituer. Vous voyez? T'as l'ange moko ya lola. Regardez un ange du ciel. Kombonaye Lucifer. Son nom est Lucifer. Asalaginin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu aller dans le jardin de Dieu. Il a fallu qu'il aille dans le jardin de Dieu. Et en tant qu'esprit, accorde dans un corps. Qu'il entre dans un corps. Appelé. Le serpent. Nyoka. Un animal. Nyamamoko. Le plus rusé de tous les animaux des champs. Il est entré dans cet animal. Parce que yango meyeli mwana yango moko et quoi qu'on commette acte wanati. Parce que cet esprit là à lui seul ne pouvait pas commettre cet acte. Non. Et c'est là qu'il utilisait un autre corps. Il a fallu qu'il utilise un autre corps. Et quand les démons aujourd'hui utilisent
des corps terrestres. Et tango ba demona lelo ba kosela la banzoto ya mabele. Ce n'est pas que Satan crée ces corps là. Et j'ai dit Satan nazali ko kelande banzoto wana. Ce sont des hommes et des femmes créés par Dieu. Et j'ai dit baba limpe basio ba kelami na nzambe. Des esprits les utilisent. Et milimo mi kosela la bango. Entre en eux. Et ko yinga la kase na bango. Et commettent des crimes. Et ba kosela ba crimes. Est-ce que ça pour les? Est-ce que c'est clair? Donc yango j'ai une dengue wana. Et c'est comme cela. Mais ange yango moko. Mais l'ange lui-même. Et quoi qu'on l'ouvre mon amour c'était? Ne peut pas chercher une femme. Pour étant sexe. Parce qu'il n'a pas de sexe. Et un esprit. C'est un esprit. Jotoyo ange anango et que c'est nao yonga no tozui. Le corps qu'a l'ange est différent de celui que vous avez. Et que c'est ni. C'est différent. Amen. Amen. Mais le col à serpent. Mais comme le serpent, Satan, l'esprit de Kotraki, esprit de Kotraki, serpent. Comme Satan, l'esprit était entré dans le serpent. Et c'est pourquoi cet enfant. C'est pourquoi moi, Noéwana. Était du malin. Amen. Amen. Parce que l'esprit wana malin à Kotraki, serpent. Parce que cet esprit pour commettre acte wana, pour qu'il aille commettre sous l'influence, actes. Sous l'onction de Satan. Sous l'influence de Satan. Et l'onction satanique. Et l'onction satanique. Diabolique. Diabolique. Est-ce que ça pour les? Est-ce que c'est clair? Mais Satan lui-même. Mais Satan lui-même. A kokai ko sangana soko mokete na Eve. Il ne pouvait pas se lier à Ève. Engendrer un fils. Et engendrer un directement. Fils. Non. Directement. Non. Il a fallu indirectement. Il a fallu que cela soit indirectement. A utiliser un autre corps. Il utilise un autre corps. Et ce corps-là était créé par le Créateur. Et le Créateur est un seul. C'est Elohim. Elohim. Celui qui vit par lui-même. Oh, Yakobi kanaye moko. Bazagebelete. Ils ne sont pas nombreux. Moko kaka. Il est le seul. Aujourd'hui, Bazodingaloba. Non, mais c'était des anges du ciel. Et aujourd'hui, ils veulent dire que c'était les anges du ciel. Bakitake. Et puis, Bayekola Tabanzoto Abato. Ils sont descendus et ils ont porté le corps des hommes. On m'a dit que Satan, vous criez. Les autres ont dit non, tu vois que Satan peut créer. Non, Satan ne peut pas créer. Satan a coquille coquille la tête. Amen. Amen. Et comme il ne peut pas créer, et le corps est à coquille coquille la tête. Et il ne peut pas non plus guérir. Et à coquille peut coquille qui s'atte. Parce que la création. En bataille, quel amour. C'est ensemble de cellules. Je ne comprenais pas. Maman, papa, cellule. Là, au village, je ne comprenais pas quand mon papa disait que tu amènes les cellules. Cellules. Alors qu'il parlait des cellules, il parlait, il disait cellule. Et je ne comprenais rien. Là, il comprend. Père, tu vois que moi, on est à cellule, non, maman, bah, et ça, mon français, cellule. C'est par après que j'ai compris que mes papas ont réussi ce mot-là, cellule, cellule, où. Alors qu'il parlait des cellules. Ou allez, moi, ça, tu vois, tu as commis ce mot, mais tu as commis la cellule, cellule. Quand l'enfant vient de mettre au monde et qu'il a pris un peu de poids, on dit que. Ah, la guérison, c'est un renouvellement, il y a ma cellule. C'est le renouvellement de cellules. Mais qui a créé des cellules? Maintenant, il y a moi qui est là qui va faire. Comment est-ce que tu vous voyez les hommes comme nous sommes là? Quand l'homme est. Quand l'enfant est engendré. Lorsque l'enfant est engendré. Ce sont des cellules. Ce sont des cellules. Qui s'ajoutent. Cellules de Yamatoï. Les cellules des oreilles. Les cellules de Yamanzaka. Les cellules de Yaloboko. Les cellules de Yaloboko. Et ça, ensemble, il y a ma cellule. C'est l'ensemble des cellules. Qui s'ajoutent.
cellule sur cellule. Cellule sur cellule. Cellule sur cellule. Cellule sur cellule. De la même parole dans la nouvelle naissance. La même parole dans la nouvelle naissance. Les cellules spirituelles. Ce sont des cellules spirituelles. Parole sur parole. Parole sur parole. C'est ça notre, notre croissance. Et on est beaucoup dans l'abysso. Et vous verrez que nous arriverons à la cellule. Cellule spirituelle. Ah, une cellule spirituelle. On te regarde comme ça, tu as toutes les vitamines. Vous résistez à la intempérie. Tu résistes à toutes les intempéries. Malgré le vent et les tempêtes. Malgré le vent et les tempêtes. Mais vous allez bien ancré. Et tu es bien ancré. Donc on a eu et Kangami bien en Christ. Tu es bien ancré en Christ. Amen. Amen. Oh, balinga mikati nankolo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous croyons comme cela. Et il dit, et alobi, ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais ils ne seront pas comme des anges de Dieu sur la terre. Parce que les anges de Dieu sur la terre, c'est Marie. Mais pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Il vous a dit quelque chose. Il vous a dit quelque chose. Regardez ce qu'il vous a dit. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. N'avez-vous pas lu ça? Où cela, ce qu'il vous a dit. Mais batuba sato baye yenzambe alobakete azande wabango. Ces trois personnes. Na bango. Ces trois personnes. Bazangi lisusu na mabelete. Mais ils étaient plus sur cette terre. Basiraka kokufa. Ils étaient déjà Bakola. Morts. Pourri. Bajonga na butulu. Rentrer dans la poussière. Mais Nzambe atiki bango te. Mais Dieu ne les a pas laissés. Aka Nzambe na bango. Il a dit qu'il est toujours leur Dieu. Bonanini. Pourquoi? Alobi, mais parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Parce que Nzambe azali Nzambe na bawate. Mais des vivants. Yabayabomoi. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Nzambe azali Nzambe na bawate. Mais des vivants. Asi yabayabomoi. Mais signifie pas, il n'est pas Dieu de ceux qui meurent. Yeringi kolobate azali Nzambe na bawoi bazali kokufate. Mais parce que Jésus était aussi dans la tombe. Bakufaka. Ils étaient morts. Ce sont des morts. Ce sont des morts. Mais assez présenté comme Nzambe na bango. Mais il s'est présenté comme étant leur Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais yango elingi koloba nini? Ça veut dire elingi koloba en Dieu. Kati na Nzambe. En Dieu. Kati na Nzambe. Attendez, vous allez voir les pourquoi. La parole s'interprète elle-même. Écoutez l'interprétation. Il n'est pas Dieu des morts. Mais là, il n'est pas Dieu des morts, mais il est Dieu des vivants. Ça veut dire quoi? Et cela veut dire quoi? J'ai là. Attendez. Oui. Luc 20. Luca Tukumi Bali. Verset 27, so okay nandako. Rakotanga Tukumi Bali na sambo so kinde okay nandako. Mais au verset 30, 34,
Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts. À ce siècle-là à venir, ne prendront ni les femmes ni les maris. Pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Amen. Amen. Oui. Parce que ça sera l'adoption finale. Dieu leur remplacera dans leur position initiale des fils et des filles de Dieu. Comment va la chute? Comme au commencement, dans un corps spirituel. Alléluia. Nous croyons comme cela. Et il dit, ils seront semblables aux anges. C'est-à-dire dans leur corps spirituel. Semblables aux anges. Mais attention, les anges, il y en aura quelques anges qui mourront. Dieu a créé des anges. Il a créé aussi l'homme avec la possibilité de mourir. S'il garde la parole de Dieu, il ne mourra jamais. Mais s'il brise la parole de Dieu, il mourra certainement. Et les anges qui ont brisé la parole de Dieu mourront certainement. Et ceux qui ont gardé la parole de Dieu ne mourront point comme des hommes qui avaient péché et nous mourrons à cause de ces péchés-là. Et maintenant, le Sauveur est venu. Et ceux qui croient au Seigneur, qui mangent de cet arbre de vie, ne mourront point. Mais ceux qui mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui doutent du rédempteur, de son œuvre, ces hommes-là mourront certainement. Car l'âme qui pêche, celle qui mourra. Même parmi les anges et aussi parmi les hommes, toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et toute âme qui croit, c'est celle qui vivra. Voyez-vous cela? C'est la règle de la question. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Yo. Maintenant au verset 37. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand. À propos du buisson. Il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi? Alors, l'habileté de l'homme nous explique.
L'habileté, la sagesse de l'homme. C'est Jacques. Voyez frère. Non, pas Jacques, c'est Luc. Il dit, or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Et il ajoute une explication, car pour lui, tous sont vivants. Même ceux qui étaient morts sont vivants. Donc quand il dit ça, Abraham était vivant. Parce qu'il ne dit pas que tous étaient vivants. Non, il dit tous sont. Il ne dit pas que tous étaient vivants, mais il dit que tous sont vivants. C'est l'auxiliaire être au temps présent. C'est l'auxiliaire être au temps présent. Tous sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Pour lui, tous sont vivants. Noé vivant. Abraham vivant. Voyez frère, tous sont vivants. Isaac est vivant. Jacob est vivant. Pour lui, Élisée est vivant. Samuel est vivant. Pour Dieu, tous sont vivants. Et aujourd'hui, pour lui, Branham est vivant. Pour lui, tous sont vivants. Paul est vivant. Pierre est vivant. Esaïe est vivant. Pour lui, Jean, le prophète est vivant. Jean-Baptiste est décapité, mais vivant. Croyez-vous cela? Pour lui, tous les cinq humains sont vivants. Amen. C'est ainsi dit la Bible. Avec beaucoup d'énergie. Et nous prêchons cela avec beaucoup d'énergie. Avec beaucoup de force. Avec beaucoup de force. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Et le Seigneur est notre force. Et il est la parole. Et il est la parole. Et la parole est notre force. Et il est c'est notre puissance. Dieu a tout créé par la parole. Il a dit et la chose était arrivée. Il a ordonné et la chose existait. Voyez-vous cela? Nous nous croyons comme cela. Ce n'est pas autrement. Frère Michel Kanda de Belgique a tindé bino bambote na kombo Jésus Christ. Le Michel Kanda de Belgique a tindé bino bambote na kombo na Jésus Christ. Oui, baringa mikati na kolo. Iyo bandeko dans le Seigneur. Or Dieu n'est pas Dieu des morts. Donc quand des abadrin zambe na bawate. L'âme qui pèse qui moi. Les morts, ce sont des incroyants. Ce sont des incrédules. Les vrais croyants ne sont pas des morts. Quand on dit qu'il vient de mourir, non, pour Dieu, il s'endorme. C'est un sommeil spirituel. Un sommeil physique. Bientôt là, il sera réveillé. En entendant la voix. La voix de cet homme de Galilée. C'est pourquoi lorsque son frère était mort. Voyez frère, son ami, Moninga. Lorsque son ami était mort. C'est-à-dire Lazare. Il a dit aux disciples, Lazare dort. Et Zaki Mpongi. C'était le sommeil. Parce que pour lui, tous sont morts. Tous sont vivants. Tous ceux qui mettaient leur confiance en lui. Dont lui est leur espérance.
Tous sont vivants. Baso bajali na bomoi. Ils seront réveillés. Bango bakola musama. C'est pourquoi nous avons deux réveils. Le premier réveil, c'est le réveil de nos âmes, des vierges vivantes ici sur la terre, par le cri qui est le message. Pour nous réveiller du sommeil spirituel, afin que nous nous préparons à sa rencontre. Mais il y aura un autre cri de réveil qui ne nous concernera jamais, mais qui concernera les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui dorment en Christ, et aussi se réveilleront. Par un cri du réveil. Et ce réveil-là, ça sera la résurrection. Ils seront ramenés à la vie. Croyez-vous cela? Donc, nous nous sommes demandés d'engueu. Donc, nous nous croyons comme cela. Comme je suis ici, je suis réveillé. Comme tu es assis là, tu es réveillé. Tu es réveillé par ce cri-là. Il y a réveil. Il y a minuit. Le cri de réveil de minuit. Oui, ça vous réveille toutes les vierges. Qui réveille toutes les vierges. Alors, Kola la dissoute. Alors, ne dorme plus. Même si Yogi Miso et Zakilo, même si tu sens que soit ta maille pour Bola na Miso, même si tu sens que les yeux commencent à s'alourdir, prends un peu d'eau, jette aux yeux. Talibien. Tu verras maintenant que les yeux regardent très bien. Kola la te, ne dors pas. Ça dit qu'on soit distrait. Cela veut dire ne sois pas distrait. Esprit à réveil et quitter Yote. Et l'esprit de réveil ne te quitte pas. Aussi, on l'a mouki, Tikala réveillé. Tu es déjà réveillé. Tikala éveillé. Reste, sois éveillé. Amen. Amen. Tous en un temps où il y a reconstruction. Nous sommes au temps de la reconstruction. Il y a deuxième temple. Le deuxième temple. Parce que le premier temple. Parce que le premier temple. Et ça, oh, il y a l'église primitive. C'est de l'église primitive. Maintenant, tous en un temps où il y a deuxième temple. Maintenant, nous sommes au temps du deuxième temple. Mais. Kasi. La gloire. Kembo. Il y a deuxième temps. Le deuxième temple. Où ils ont reconstruit les lots. Qui est reconstruit aujourd'hui. Comme un achèvement. Quand il arrivera à l'achèvement. Et pour les cas la gloire. Dépasser il y a premier gloire, temple. Le premier temple. Aujourd'hui, nous n'imitons rien. Parce que les apôtres à leur temps, ils n'imitaient rien. Regardez du temps des apôtres. Regardez le temps des apôtres. Il y a eu l'apôtre Pierre. Dans la Bible, il y a beaucoup de temps. Dans la Bible, tu ne trouveras pas. C'était la première fois. Il y a eu l'apôtre Pierre qui a été na mouchi. Il savait que Pierre allait passer sur Mouchi. Il va passer sur Mouchi aujourd'hui. Et Babel Nyosu, il y a combien de lingua là? Il y a Kinshasa, il y a Barumbu, il y a Bandalungwa, il y a Ngiringiri. Voyez frère, il y a Kasavubu, il y a Limete, Batandi Bango tout au long, il y a venu. On les a étalés tout au long de la vie. Il y a qui est là? Pierre, il y a combien de kawa? Et Pierre devrait passer par là. Et Pierre déjà, Zagi croyant. Et Pierre était déjà croyant. Azagi même apôtre de Dieu. Et il était même apôtre de Dieu. Son messager sur la terre, un ange terrestre. Je ne dis pas parmi les sept. Mais c'était un envoyé, un apôtre, c'était un envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. Et quand il parle, Ndeko. Il n'a prié pour personne. Seulement son ombre. Si l'ombre touche ma main, il va me lever. Si ça touche ma main, l'ombre seulement. Il ne s'est jamais arrêté. Il a continué son voyage. Après lui, la résurrection, guérison, les démons qui sortaient, et lui continuait son chemin. Voyez-vous cela? Dites-moi, dans la Bible, après lui, qui a fait cela?
Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas imiter. Parce qu'il ne faut pas imiter. Il ne faut pas imiter. Ça s'est fait avec Pierre. Même les autres apôtres même avec Frère Branham, ça n'a pas eu lieu. Bon, un autre. Bon, Moussous. Dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Il savait qu'il était là. Qui viendra aujourd'hui? C'est le nouveau apôtre. C'est le nouveau apôtre. Qui s'appelait auparavant Saül de Tarse, le persécuteur de l'église, qui est devenu un bâtisseur. Aujourd'hui, il édifie l'église. Il est devenu le collaborateur du bâtisseur. Il travaille avec Dieu. Alors, ils ont appris ces nouvelles. Ils ont amené juste les étoffes. Et Pierre a dit qu'on prêchait à Toki. Et Paul. Paul prêchait à Toki. Et Paul prêchait à Toki. Avec sa sueur, il s'est sué. Et Bamemeri, Biramba, Wana, Babeli. Et ils ont pris ces étoffes-là, ils ont amené ça aux malades. Nabakakatari. Aux esclopiers. Babeli, Babiki, Sami. Les malades étaient guéris. Minimo, Mabeli, Bimi. Les démons sont sortis. Batouba, Kangolami. Les gens étaient délivrés. Mais tant à les actes des apôtres. Mais lis les actes des apôtres. Jusqu'à sa fin. Qui n'aura su qu'on a un goût. Okuta, Motomosu, Soasala. A-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Il ne faut pas imiter. Et bon, mais collaté. Il ne faut pas imiter. Il ne faut pas imiter. Je ne sais pas. Au moment où on me colle un gaïpe, il y a des gens qui sont bien. La gloire de la première maison. Et il y vit encore. Avant sa destruction, qui avait vu sa gloire? La gloire de la première maison. Qui avait vu? Azali survécu, survivant ici. Il a couvert à Tikari. Qui n'est pas encore mort. Il est là. Nani? Qui? Il pouvait arriver qu'il y a un qui a levé la maison. La gloire de la seconde maison. Il a dit, attendez maintenant voir la gloire de la seconde maison. Pour tout comprendre. Pour que nous comprenions. Où l'église a la fin. Il faut qu'on voit d'abord l'église là au commencement. Mais ceux qui ont monté l'église au commencement, qui ne comprendra pas ce qui se passera ici à la fin. Amen. Amen. Oui. Yo. Lobanzambe. Lobanzambe. Notre Dieu est un beau Dieu. Que tous les locaux comme les locaux. N'invente rien, n'imite rien. Aujourd'hui, Lelo, Okokuta. Oui, Mokomoko Batuni frère Franck, question. Tu trouveras un jour on va demander à Dieu. Il prêchait en Espagne. Est-ce qu'ici parmi nous il y a quelqu'un qui a un don de guérison? Et quelqu'un lui a posé la question. Est-ce qu'ici parmi nous il y a quelqu'un qui a un don de guérison? Alors bon, je ne pense pas. Na canicité. Mais malgré cela. Mais malgré cela. Parmi nous il y a le guérisseur. Parmi nous il y a le guérisseur. Est-ce que vous avez retenu ça? D'où il y a guérison exacte? Les dons de guérison n'y est pas. Namoni na noté. Je n'ai pas encore vu. Kasi atako ndenge do wana ezangi. Et malgré que ces dons Monganga ajali. Mais le guérisseur est là. Alléluia. Alors qu'est-ce que vous voulez alors? Et bon, bolingi, un don ou le docteur lui-même? Bolingi likabo ou bien monganga. Et si nous avons un docteur, cela nous suffit. Et ceux qui te suivent monganga. Et Jésus est le grand médecin. Et yes, on dit monganga yango monene.
C'est comme ça dans des choses de Dieu. Ayons tout simplement la foi. Croyons Dieu. Prenons Dieu au mot. Et nous verrons sa gloire. Croyons à ce qu'il nous dit. Telle qu'elle est écrite ici. Comme nous la lisons. Arrêtons-nous là. Point 3. Dieu est fidèle. C'est lui qui l'a promis. Et qui la fera. Il ne faut pas que nous soyons des suiveurs de dons. Non. Mais nous devons être les disciples du Seigneur. Les disciples du médecin. Ces patients. Voyez frère. Et ses collaborateurs. Non, nous sommes forts. Ah, Dieu nous aime fort. Amen. Amen. Est-ce que ça pour les Est-ce que c'est clair? Mais surtout, du mal au lingot. Nous, nous croyons comme cela. Il ne faut Votre pas qu'on m'écoute. Il ne faut pas imiter. T'as la frère Franck. Regardez, frère Franck. Dengue à Tikala. Comment il est resté? Il est resté, c'est ma Franck. 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 Est-ce que bon, nous sommes comme frère Branham? Il y a un mec comme frère Branham. Oui, mais le jour de frère Branham, lui, il n'imite pas frère Branham. Il ne peut pas imiter frère Branham. Il ne peut pas frère imiter Branham frère Branham. Frère Branham était un prophète. Frère Branham, c'est là qui est mon sacoli. Il y a beaucoup imité, il était. Il y a beaucoup qui comme il a été. Vous voyez? Il ne peut pas l'imiter. Franck a déjà Franck. Franck est Franck. Et il est franc. Et il est franc. Comme son nom. Je l'ai entendu lui-même expliquer cela. Je m'appelle Franck. Je suis Franck. Franck. Parce que je m'appelle Franck. Franck. Vous voyez? C'est comme ça. Zalayo. Sois toi. Yazaliye. Lui, ça soit lui. Nazangai. Moi, je suis moi. Ce n'est pas parce qu'un frère enseigne. Ce n'est pas parce qu'un frère enseigne. Et puis tout le monde commence à enseigner. Mais pas, ça, dit, ça. Parce qu'un frère prêche. Oui, t'es de comme quoi, et tout le monde veut le prêcher. Mais pas, ça, non, n'imitons personne. Oh, mais En tout cas, Bissouawa. Vraiment, nous Bissouawa. Ici. Nous ici. Nous n'aimerons pas inventer une chose. Si on dit que nous, vous n'en avez pas, mais oui, nous n'en avons pas. Na mopesi. Mais nous avons les donateurs. Na mopesi. Nous avons les donateurs. Amen. Amen. Est-ce que ça pour les Est-ce que c'est clair? Mais le goût la mopesse à Djali. Et comme les donateurs. Nous aurons. Nous sommes Isaïe Tout est à nous. Que tous les côtés. N'invente rien. N'imite rien. Toute imitation. Viennent pour bouleverser les pensées des gens. Afin que les gens ne comprennent et ne voient point la vraie chose. Ils sont embrouillés, troublés. C'est ça l'imitation. Sokotali, faux billets à dollars. Si tu regardes les faux billets à dollars. Ils sont contrefaçons, ils sont imitations. Qui est contrefaçon, qui est imitation. Otali, un vrai billet. Et tu regardes troublé, le vrai billet. Et ça se trouble. Moi, je n'arrive pas à différencier. Finalement, on va sur un vrai billet. En fin de compte, tu peux même avoir des billets. Et tu jettes un billet faux. Alors que tu as pris le faux. On s'est troublé, on s'est bouleversé. Tu es bouleversé, tu es troublé. À cause de l'imitation. À cause de l'imitation. De la même manière, dans des choses de Dieu. Alors, regarde-moi, quand tu as ma cambronne,
Vous êtes rempli d'imitations partout. L'imitation oui, partout. Il même dit vivant de Frère Branham, dont il y a discernement à penser. Il sait qu'ils ont tenté même d'imiter du vivant de Frère Branham. Les on commençait même à prendre les gens par leur main. Il commençait même à prendre les gens par leur main. Donne-moi ta main, je vais regarder tes choses. Parce que Frère Branham avait expliqué parce que Frère Branham comment avait ça expliqué. Se faisait. Et l'ennemi a entendu cela et il a imité. Et ça ne réussissait pas. Dieu n'a jamais permis que ce don-là ils allaient imiter. Paix imitation et quoi qu'on réussit. Non. C'est inimitable. Amen. Amen. Il y a un frère à Koutaki, Bisson à Bwendeguna, Gadazaki na Kishasa, on a 88. Il y a un frère qui nous a trouvé là-bas à Bwende, moi j'étais ici. Non, 87. En 87. Je crois, frère Ndombe Azaki na Nona Gambouébali. Je pense que frère Ndombe est encore de l'autre côté de la rive. Il a trouvé un autre prédicateur. Ah, il y a Koti Motei Moussous. Et puis, il a commencé à discerner les pensées. Je vois, il y a des gens qui sont contre moi. Ils doutent de mon ministère. Qu'ils viennent ici et qu'ils confessent. Les frères ont dit que si tu ne m'as pas encore cité le nom, je ne viendrai pas. Parce que tu imagines des choses. Parce que tu imagines les choses. C'est l'imagination. C'est l'imagination. Parce que tu sais bien que nous ne pouvons pas te croire. Oh, oh, yébi, madame, c'est une imitation. Ce que tu fais là, on ne peut pas te croire. C'est de l'imitation. Nous ne pouvons pas te croire. Nous ne pouvons pas te croire. C'est impossible que nous te croyions. C'est impossible que tu te croyions. Dites la personne, c'est qui? Attends, mon toi, comment tu es? Ma frère, il n'a cité personne et les frères aussi ne sont pas sortis. Oh mon Dieu. Vous voyez? C'est l'imitation. C'est l'imitation. Il ne faut pas imiter. Bon, mes collatés. T'as dit frère Franck à Tambra. Et regardez comment frère Franck se promène. Tu ne trouveras jamais que Frère Franck arrive dans une ville et qu'il fait la ligne de prière. Nous sommes dans les stades ici. S'il faisait la ligne de prière, à quelle nous allons sortir? Mais Frère Branham a fait cela. Mais Frère Branham le faisait. Parce qu'il y a Zaki Nadon, Azaïka qui a prédicateur était. Il y a Zaka Nadon, il y a guérison. Parce qu'il avait les dons, il n'était pas seulement les prédicateurs, mais il avait les dons de guérison. Il ne prêchait pas à cause de ces dons-là. Il y a Zalaki côté était Nantina Likabo et Wana. En prêchant, il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Ah, Zalaki Kosala Mosala Yakomo Parangisango. Il évangélisait. Il y a Zalaki Koparangisango Malam. Mais comme il avait un don, mais il pouvait prier aussi pour les malades. Et don, ces dons-là ne pèsent pas. Même si cela donc ange mais pour lui, l'ange lui disait, lui parlait. Mais Yabissou, c'est par la foi. Mais pour nous, c'est par la foi. Saint-Esprit a yé. Le Saint-Esprit a yé. Après, si un frère donne à sœur et don. Il donne à un frère et à une sœur et don. Mais Yahyé, Zali, moi, j'ai à yé, go yé, bisa yé. Mais pour lui, c'était l'ange de Dieu. Yonengo Zawana, Natindi, on a don, moko. Toi, comme tu es l'ange de Dieu. Oban, de la bonne à Bakoni. Tu vas commencer à prier pour les malades. Bébo, Kono, ta moko, te na ma belé. Et aucune maladie sur la terre. Te le melali, bon de l'ina yo. Ne résistera devant ta prière. Bokono, bon, so, boko, toute maladie sera guérie. Et il faut disparaître à la personne pour qui tu pries. Si toi tu pries. Aucune maladie ne va résister. Et l'ange a souligné Bokono ya kafu kafu. Et l'ange a souligné une grande maladie. En tant qu'ango, il y a une pandémie à l'éloté. Coronavirus. En ce temps-là, c'était la pandémie c'était de coronavirus. Cancer. C'était le cancer. Même cancer. Même le cancer. Comment
Vous voyez? C'était comme ça. Et Zala Kibongo. Abandé ko sala ngo kakate parce que asek ou imaginer que nasina yamito a guérison. Non, non. Moi j'ai yaki à l'obélier. Il ne le faisait pas parce qu'il pensait seulement que non, j'ai reçu les dons de guérison. Mais non, là je vais. À l'obélier, polele, polele. Là je lui parlais. Pé mon ami. Et cela a été vu. En aucune fois échoua. Attanambara, moi côté cela a échoué. Tango jambé abandé ko monake. Et quand Dieu voyait que c'était dans sa volonté que cet homme quitte la terre, il empêchait son prophète de ne pas y aller. Oui, frère, vous voyez de quoi? Dieu est Dieu. Zambé, Azalin Zambé. Mais aujourd'hui, ils imitent. Mais les lobes comme quoi? Des fois, c'est l'imitation. Parce que dans la Bible, ce n'est pas écrit ligne de prière. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Vous imposerez seulement, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mais c'est un frère Branham, pourquoi il a fait ligne de prière? Mais et aussi des cartes. Parce que parce qu'il y avait beaucoup de gens. Il voulait mettre quand même de l'ordre. Il voulait mettre de l'ordre. Pour Batouba se bousculer. Pour que les gens ne se bousculent pas. Et pour qu'on cause le sous-accident. Ça peut causer encore des accidents. Alors, la moto, aya suivant l'ordre. Et que chacun vienne. Oyo, aya mbaki numéro songolo leka olegi. Numéro songolo leka olegi. C'était ça. C'est lui qui a reçu tel numéro, passe, tel numéro, passe, tel numéro, passe. C'est comme aujourd'hui, comme à cause de Corona. Et Zali, nous voulons aller l'antine à Corona. Nous ici, t'ont gardé même position depuis Corona. Bisous. Pas encore retourner comme au commencement. Totikali na distanciation. Nous attendons l'autorité à quoi qu'on lever mesures. Mais nous voulons obéir à l'autorité établie. Mais regardez une chose. Voyez frère. Mais bisous va trouver que togosambira kaka. Nous, ici, nous avons dit que nous allons seulement prier. Bon, Bamoussou, Nicolas, Bamoussou, Nancé, Tomekaïko, Bimalibanda, Bayeko, Pekisabiso, ainsi de suite. Les autres en haut, les autres en haut, c'est comme nous réunissons chaque dimanche, ce serait même une partie de l'Assemblée. Ce serait même une partie de l'Assemblée. Nous réunissons parce que, bah, qu'est-ce qu'il y a rouge, 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 oyo. Parce que toutes les awa. Toutes ces chaises rouges. Oui, Matakouna, Nicolas, et Outinde, awa. Toutes les chaises rouges. Ce n'est pas que ton outa pour somba, Bakiti, Asikate. Ce n'est pas que nous avons dit que c'est seulement un balcon. Mais si je mata, Nicolas, na balcon, nous les avons. Bongo ya plastika ezawab. Et les plastiques nous avons gardé cela. Njoko ezraki nyoso wana ya rouge awa na se. Or toutes les chaises rouges nous sommes en plastique kuna na likolo. Et toutes les chaises en plastique. Et les dimanches étaient pleins. Et les dimanches ezraki ko toda. Chaque kiti est occupé. Mais kiti nyoso ezraki même na libanda. Et les gens même là-bas dehors. On dirait tous ceux qui sanganaka une partie de l'ensemble. C'est comme si nous nous réunissons seulement une partie de l'ensemble. Parce que les autres ne viennent pas. Et parce que les autres ne viennent pas, ils disent que je n'aurai pas de place pour eux. Mais à Lubumbashi. Mais à Lubumbashi. Comme l'assemblée de Kimonene. Comme l'assemblée plus grande. Bah, le col a bisoté. Et n'ont pas fait comme nous. Bakabuena batoba carte. Le frère dit. Ils ont donné des cartes aux gens. Bah, croyant, chaque croyant qu'on soit numéro naïe. Donc chaque croyant. Et les jours qu'ils viendront dans l'église. On n'a pas imité. Donc, qui m'a collaté? Assemblée, il y a 50 personnes. Bon, combien ça va carte là-dessus? L'assemblée de 50 personnes, vous donnerez des cartes pour quelles raisons? Hein? Vous voyez? Mais assemblée, on va se faire courir la carte. L'assemblée, là, on donne les cartes. Ce qui va y avoir, on va se faire. Si et tous venez, ça ne marchera pas. Si vous avez un mercredi, groupe et carte, comme un numéro, qui est le numéro, ils ont réparti le mercredi, c'est les groupes de tel cas, de tel numéro. Vendredi, et ça, bah, tu vas voir qui? De tel numéro à tel numéro, bah, et si c'est le vendredi, ce sont les gens qui ont reçu le carte de tel numéro. Ce n'est pas quelque chose à imiter, non! Ce n'est pas une chose à imiter. Mais les lots imitations partout. Mais aujourd'hui, en disant cela, partout. Moi je ne dis pas que les évangélistes ou les prédicateurs ne prient pas. En disant cela, je ne dis pas que les évangélistes ou les prédicateurs ne peuvent pas prier nous pour les malades. Nous pouvons et nous continuerons à prier. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut savoir que mais selon que l'ordre de la Bible, les évangélistes ne prient pas pour les croyants dans l'assemblée. Non, ce sont des anciens. Ce
Si quelqu'un parmi vous est-il malade? S'il est malade, est-ce que quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle non pas des évangélistes, mais des anciens de l'église. Ça, c'est l'ordre biblique. Et j'ai aimé ce que notre bien-aimé Bie Kalombo avait fait. Il m'a dit, Joseph, désormais, les évangélistes ne prieront plus jamais ici dans l'Assemblée. C'est toujours à l'extérieur de l'Assemblée. Si le prophète des lignes de prière, c'est à l'extérieur de l'Assemblée. Dans un lieu public. Et je ne verrai plus un croyant passant dans cette ligne de prière. Sur la ligne de prière, non. C'est seulement des invités. C'est dit dehors. Pour les croyants, ils inviteront des anciens. Les anciens prieront pour eux. Des fois, on dit qu'il exagère. Non, ce n'est pas une exagération. Il n'exagère pas. C'est la fidélité à la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes. Nous voulons plaire tout simplement à Dieu qui nous a engagés à son service. Croyez-vous cela? C'est ça. Et aujourd'hui, donc, les prières pour les malades est devenu tout un ministère. Pour dénigrer les autres. Pour se vanter. Moi, je fais ceci, je fais cela. J'aime qu'un frère Mwamba a prêché quelque part. Et il a dit, le prédicateur, quand vous priez pour les malades, ou bien quand vous prêchez l'évangile, vous voyez, ce n'est pas vous qui guérissez ces hommes-là ou qui sauvez ces gens-là. C'est Jésus qui les guérissait et qui les sauvait. Lui-même les sauve, les guérit. Ce n'est pas à vous. Amen. Amen. Et ne vous faites pas de soucis. Parce que quand vous comptez autant, tu es sûr qu'ils étaient sauvés? Voilà. Zambe Asungabiso. Que Dieu nous aide. Asungabiso. Qu'il nous aide. Asungabiso, il dit qu'on va Asungabiso. Il nous aide, cela veut dire qu'il nous aide. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Nous bongo. Nous voulons croire comme ça. On dit pas tout bas, on va dire ne pas Dieu de mort. Vous voyez les gens il est Dieu de vivant. Pour la bongo, ce que frère Yagoufi, Zambé a longué, yaye. Donc pour ainsi un frère. Zambé a frère Yagoufi. Atikali Zambé na yé mutoazana bomo ya zombie. Pour ainsi un frère mère. Ce n'est pas dans ce sens là que le Seigneur à parler. Les amis, les gens qui se réveillent, Toi, tu penses que ceux qui sont morts ne sont pas pour les vivants. Pour Dieu, tous sont vivants. Vous comprenez l'interprétation? Vous voyez comment c'est différent? C'est comme si on a la parole révélée. Parce que nous avons la parole révélée. Nous avons la parole révélée. Mais quelqu'un nous dit qu'il a pris qu'il y a quelqu'un d'autre qui est mort. Alors, il y a l'obé, pour Nakutami, na motango ya babomoy. Et il dit parce que je suis trouvé par Dieu. Donc, biso batoto tikali awa na Congo. C'est que tu es le Dieu de Dieu. Profite, yo zanzambe na biso. Donc nous qui sommes restés sur le Dieu. Assemblée, tu as qui les londe, osaka nzambe na biso. Ya ba frère yo bakufa olongwa nzambe na ba. Donc les frères là qui sont morts. On ne comprenait pas les écritures. Pas sur la terre ma commis.
pour Dieu. Oh, Nanzambe. Naba oyo bazoya na assemblée. Et ceux qui viennent. Naba yebayaka disute bakende kopema. Et ceux qui ne viennent plus. Il est leur Dieu. Ah, j'ai Nzambe na bango. Et pour lui. Et pour naye. Tous sont vivants. Ah, so ba jali na bomoi. Et quand il dit pour lui sont tous sont vivants, ce n'est pas des incroyables, ça ne concerne pas des incrédules, ce sont des vrais croyants, ceux qui lui appartiennent. Tous sont vivants. Voyez frère, quoi que nous mourions, ou quoi que nous vivions, nous sommes au Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons dire que frère Branham est vivant. Comme frère Paul. Frère Pierre. Frère Jean. Et aussi comme frère Kalonji. Frère Kalala, frère Nduka. Pour Dieu, les cieux sont vivants. Nous croyons comme cela. Mais en disant cela, les apôtres se trouvent dans la terre Koloba. Le Dieu de Lilanga, et le Dieu de Kalonji, et le Dieu de Jésus. Ce n'est pas pour que nous commencions à dire on Zambé à Lilanga, Zambé à Kalonji. Limitons à ce que la Bible déclare. Limitons-nous là. C'est lui-même qui s'est présenté. Voyez frère, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Ayebaki ba Noa Bazali. Vous voyez? Ayebaki ke ba Mzou Bakoya. Il savait que les autres viennent. Bon, ya tanga ki bangwana. Et mais ceux-là qu'il a cité. Bon, yo wanande ya tanga. C'est soit celle-là qu'il a cité. Ayebaki Joseph Azaki Mosakolia. Mais il savait que Joseph est prophète. Je suis le Dieu de Joseph. Il savait qu'il était prophète et il est mort. Je suis le Dieu de Ruben. Il a dit, je suis le Dieu de Ruben. Le Dieu de Juda. Il n'a pas dit, je suis le Dieu de Juda. Non. Mais cela ne veut pas dire que Bamosu va couvrir. Pour Dieu, tous sont vivants. Amen. 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 Enoch a kufakite. Enoch n'était pas. Azaben Zambe Enoch. Il est aussi le Dieu d'Enoch. Moïse a kufa, a kundami, a sekwi, a matina likolo. Azan Zambe ya Moshe. Moïse est mort. Elie a kufate, a netolamake, Azan Zambe Elia. Ce n'est pas un problème. Mais il kambone, ce qui tombandi ko tanga kabato. Le problème est que. Le Dieu de Kalonji. Si nous commençons à dire Dieu de Kalala. Le Dieu de Lila. Dieu de Ndombe Pierre. Dieu de Bosenge. Papa, Dieu de Bosenge. Ah non, c'est la confusion. Tochonge la kadege gomami na Biblia. Répétons seulement ce qui est écrit dans la Bible. Nous savons qu'il est aussi Dieu de ces gens-là. Mais nous ne pouvons que répéter l'écriture, ça suffit. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui, Jésus l'est comme fils. Oui, yo. Jésus est le Kola Mwana yango. Pas Azali le Kola Mwana. Azali yango le Kola Mwana. Azali yango le Kola Mwana. Lewana. Et l'apostrophe, ils ont remplacé serviteur. Oui. Ils ont remplacé fidélité. Ça remplace la fidélité, le.
Jésus l'est comme fils. Yes, il est fidèle dans sa maison comme fils, non pas comme serviteur. Moïse était fidèle dans sa maison, dans la maison de Dieu, dans toute la maison de Dieu, en tant que serviteur. Mais Jésus l'est. Donc il est fidèle dans sa maison comme fils. Il est le fils de la maison. Et le fils, il demeure. Et si le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est là, si vous demeurez dans ma parole, il ne faut pas la quitter. Si vous quittez ma parole, vous vous coupez les liens. Vous allez sécher. C'est ça, pas au katani. Parce que tu es mais si vous demeurez dans ma parole, c'est comme le sarment qui demeure dans, la, dans le vrai cèpe. Et il porte des fruits. Et nous aussi, nous devons demeurer en Christ et la parole afin que nous portions des fruits. Mbumawana, et ces fruits-là, il y a un aspect, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et aussi, et en tant que serviteur de Dieu, nous devons aussi porter des fruits, des âmes au Seigneur, en leur prêchant l'évangile. Il y a une moisson d'âmes, une moisson des âmes pour les amener au Seigneur. C'est aussi des fruits. Et chacun dans sa vie, il doit porter ou avoir le neuf fruit de l'esprit. Et encore le fruit en tant que la parole. Le fruit en tant que la parole. C'est-à-dire l'évangile éternel, la doctrine des apôtres et des prophètes. Car vous le reconnaîtrez à leurs fruits, à leur enseignement. Il faut que nous demeurions, nous habitions, nous restions, nous résidions en lui, afin que nous portions beaucoup de fruits. Portez, nous portions beaucoup de fruits. Voilà. C'est comme cela. Notre Dieu est un bon Dieu. Chaque maison est construit par Dieu. Dieu a construit toutes choses. Il a construit toutes choses. Il est en train de construire la nouvelle Jérusalem. Et il construit son temple. Ici sur la terre. Qui est son église? C'est Dieu le constructeur. Mais Dieu est les deux. C'est-à-dire l'architecte et le bâtisseur. Alors, lève-nous, nous allons nous arrêter là. Mais si tu lis ici, avant de prier, le plan qu'il avait conçu en lui-même, avant même la fondation du monde, il y a des gens qui sont dans le Seigneur. Nous avons entendu l'apôtre Paul dire ceci. Le voilà ici. Vous voyez? Verset 9, il y a Éphésiens 1. Verset 9 de Éphésiens chapitre 1. Il dit, il nous a fait connaître. Le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein. Qu'il avait formé en lui-même. Oh, ya salaki katina ye moko. En tant qu'architecte,
Il avait formé un dessin. Ya, sera ki mwango un moko. Plan. Mwango moko. En lui-même. Kati na ye moko. Lui-même état éternel. Ye moko ko sera ke yala yala. Son dessin est un dessin éternel. Ye mwango mwaye mozali ya yala yala. De toute éternité. Il avait conçu ce plan-là. Mais regardez au verset 10. Pour le mettre à exécution. Lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux. Et celles qui sont sur la terre. Voyez frère. C'est ça. C'est la personne qui exécute. Ce dessein éternel de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Il a été élu, prédestiné par Dieu de toute éternité pour exécuter le plan que Dieu avait formé en lui-même. Regardez qu'en Christ, toutes choses sont réunies. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, même tous les attributs sont réunis en un seul homme. Les attributs divins et les attributs humains, le ciel et la terre, le divin et l'humain réunis en Christ. Amen. Amen. Oui. Nous nous croyons comme cela. Ce n'est pas autrement. C'est comme cela. Notre Dieu est un bon Dieu. Ainsi, nous pouvons prier. Et chaque mais avant tout, yoka verset oyo. Mais avant tout, écoute un peu ce verset. Éphésiens toujours, mais chapitre 2, 3, 3, 3, 3. Éphésiens, mon copain Misato. Et il dit ceci. Mais alobi boye. Il dit. Alobi. À moi, verset 8. De la kotanga mwambe. Qui suis le moindre de tous les saints. Et pas en anga yo, nazali moke kati na basanto nyonso. Et cette grâce a été accordée. Pengolu oyo, yango epesa melaka. D'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché. Et bombamaki de toute éternité en Dieu. Mais qui a à Dieu qui a créé toutes choses. Mais attention, c'est pourquoi les dominations et les autorités badondui. Et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, pas hier, mais connaissent aujourd'hui par l'Église. Ils connaissent aujourd'hui par l'Église. Ce serait même par l'Église. Ce serait même par l'Assemblée. En dehors de l'église, mais ils connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Infiniment variée. Oh, et Jean-Guy Souka, il y a un dengue nandengue. Wanya bozangi suka yandenge nandenge yanjambe. La sagesse infinie. Parce que yebango le londe nanjera yekresia. Ils les connaissent aujourd'hui à Paris. Ils ont des boyés. Oh, c'est comme ça. Ils ont des boyés. Donc, quand ils sont là, parce que yebango yebango le londe nanjera nabisu. Donc, tout cela là. Nanjera yekresia. À travers nous, l'Église. Regardez comment vous me regardez. Si vous comprenez ces choses, c'est pourquoi vous-même, les propriétaires de
des choses sans Dieu. Les gens ne peuvent pas savoir ces choses sans l'Église. Parce que Dieu parle à l'Église. Il révèle tout à l'Église. C'est sa maison, son temple, sa résidence. Ce sont lieux de révélation aujourd'hui. Est-ce que ça brûler? Est-ce que c'est clair? Oui. Io. Et c'est là, selon le dessein éternel, qu'il avait formé en lui-même. Oh, y a ça là qui casse na yemoko. Voyez frère. Bon, les bandeko. Selon le dessein éternel. Ce dessein éternel qu'il a formé en lui-même. Mais regardez. Pour le mettre à exécution. Et ce dessein l'a formé en lui-même. Qui est appelé le dessein éternel. Et qu'il a mis à exécution. Voyez, il a mis ce dessin-là à exécution. Voyez, frère, par qui? Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dites amen. Et alléluia. Et alléluia. Donc, planions soit dans Nzambe Asana Yamakambo. Donc, tout le Jésus-Christ. Il a mis cela dans l'accomplissement de Jésus-Christ. Pour qu'il mette cela en exécution. C'est par la personne choisie par lui-même. Et je dis dans moto, pour qui est parmi tous les hommes. Cet homme, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et moto, yango biangami Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Colo Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ tout court. Le Seigneur. Colo Yango. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dit amen. Colo Bamena. À haute voix. À Mongongo Bakasi. Même le plan de la Nouvelle Jérusalem. Même le plan de la Nouvelle Jérusalem. Même le plan de son temple, qui est l'Église. Si Jésus a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. C'est-à-dire ma maison, mon assemblée, ma maison, mon Église. Et il est fidèle dans sa maison, dans son Église. C'est son Église, c'est l'Église de Christ. C'est l'Église du Seigneur. C'est l'Église de Jésus. C'est sa maison. Il est lui-même fidèle dans sa maison. Non pas en tant que serviteur. Mais en tant que fils. Il est fidèle dans sa propre maison. Le fils y demeure. Et il nous a franchis. Et le Père nous adopte. Et nous devenons des enfants de la maison. Croyons-nous cela? Encore une fois, disons amen. À haute voix, prions. Olu ya bangolo. Njambe ya banzambe. Merci. Merci. Je suis un peu plus de temps.
Suivant le modèle, conformément au plan, conformément à la Bible et à la parole, à l'évangile, au message biblique du temps de la vie. Toi, tu es notre divin modèle, divin exemple. Merci Seigneur. Notre Père Céleste, Tata Nabiso Nalola, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Car tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Toi seul qui as réparti des dons parmi les hommes.
C'est toi seul qui les utilise comme tu veux. Amen. Et dans cet âge mauvais, toi qui nous avais connus avant la fondation du monde, tu as voulu que nous puissions recevoir ce message. Amen. Le message biblique du temps de la fin. Amen. Tu nous as révélé la parole que les églises ne connaissent pas. Et tu nous as montré que devant toi, tous tes enfants qui nous ont quittés sont vivants. Amen. Et toi, tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. Amen. Écris ta parole dans chaque cœur. Amen. Révèle-toi à chaque cœur. Et écris ta parole en nous, Seigneur. Que le monde puisse voir la parole en nous. Amen. Car toi, notre Dieu, tu es vivant. Amen. Et le message est vivant. Alléluia. Car le message nous enseigne les oracles de la Bible qui n'ont jamais été connus des hommes. C'est connu seulement de toi, le bâtisseur. Ah. Toi, l'architecte, le bâtisseur. C'est toi qui as bâti la nouvelle Jérusalem. Amen. Et c'est toi qui nous bâtis aujourd'hui. Amen. Pour que nous puissions être un édifice saint. Amen. Oui, Père, nous te disons grand merci pour cela. Et nous recevons avec joie cette parole que toi, tu nous as donnée, qui est pour nous un mets spirituel, qui nous donne de la vitamine, pour que nous puissions encore davantage te servir sur cette terre jusqu'à ce que tu viendras nous chercher, car nous croyons que tu es à la porte et nous nous préparons pour cela. Pour toi, notre Père, tu nous as parlé du cri de minuit. C'est toi seul qui parle. Amen. Donne-nous les oreilles spirituelles pour recevoir ce que tu nous dis, car tu nous enseignes de toutes choses, Père, sans rien nous cacher. Ah, merci pour toutes choses. Bénis ton serviteur que tu as puissamment utilisé pour nous. Bénis chaque cœur qui a reçu cette parole. Nous allons quitter pour retourner à la maison. Conduis les pas de tout un chacun. Ta parole, comme elle est vivante, quiconque l'a reçu ce soir, il est guéri. Amen. Le perdu est sauvé. Celui qui est sauvé est béni. Amen. Que la gloire et l'honneur te reviennent, car tu en es digne. Nous te le demandons ainsi. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Laisse l'Église dire Amen. Alléluia. 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 Nous pouvons nous asseoir. Amen. Donc, frère Kalele a kende qui na l'ouvre frontière et l'ongona de Komwasi. Nous avons appris que frère Kalele était parti à l'ouvre frontière avec sa femme. Pour la poso yoko. Pour une semaine. Pe aoutai kozonga lobi. Et il est revenu depuis hier. La banzate azani bambotete. Je pense qu'il ne manque pas de salutations. Akoko pe sabiso ango. Il peut nous les donner. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Amen. Amen. Vos prières nous ont accompagnés. Et nos frères et sœurs de Songololo. Et bande ko nabiso mibali ya basi pe mibali ya Songololo. Et ceux de l'Oufo Frontière. Pe ba o ya l'Oufo Frontière. Nous ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pe sa ki biso mokumba ya kopesa bino bambote na kombo na Jésus-Christ. Et frère Ferdinand Kabongo. Ndeko Ferdinand Kabongo. Que j'ai joint au téléphone depuis Kasumbalesa. Oh, il a joué qui a téléphoné où t'as Kasumbalesa. Lui aussi vous salue au nom de Jésus-Christ. Yépe a copé sa bino mbote na kombo na kole Jésus-Christ. Merci. Matondi.
Deko Israël Kabasubabu. Les frères. Il y a Montréal. Les frères Israël Kabasubabu de Montréal. Qu'on était avec lui ici. Et puis Atinda qui a assemblé Bambote, Nakombo en Kolo Jésus-Christ. Lui, lui aussi, il a envoyé des salutations à l'église au nom de Jésus-Christ. Jean-Jacques et à Brazzaville. Le frère Jean-Jacques de Brazzaville. Boko ya Batei, Nakuyanga na Oyo, Israël qui Kokamba manante kwa Anatole. L'un des prédicateurs de l'assemblée qui était conduit par frère Anatole. Lui aussi vous envoyez les salutations au nom de Jésus-Christ. Le frère Eliezer Nkwanga. Mon frère Stéphane Nkwanga. Les fils du frère Stéphane Nkwanga. Lui aussi vous a transmis les salutations au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on termine notre culte d'aujourd'hui.